Tu finis comme un café. Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui, je dis? Et c'est ça, c'est ce qui me semble. Vous voulez y aller? Oui. Je voudrais juste. Je vais introduire tout ça quand même. Introduisez. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux là ce soir. C'est une chose importante pour nous puisque l'un des derniers films, pas le dernier, le dernier c'est Attila Marcel, mais l'un des derniers films de Bernadette est né dans cette école, a été écrit par des étudiants qui sont dans cette école, dont l'une représentante est là, je l'ai vue tout à l'heure, Laurie, au fond de la salle, dans un atelier d'écriture qu'on a monté dans cette école, et c'est ici qu'est née Paulette. Un certain nombre de textes. Autour de Bernadette, etc. Je leur laisse la parole. Bon, mais d'abord, je voulais vous dire que j'ai connu Bernadette quand on jouait avec Gérard Blin à
à Nîmes, quand elle a rencontré Gérard, et mais je l'ai connu brièvement. Vraiment, j'ai connu pendant le tournage des Bonnes Femmes. Et elle m'a tellement impressionnée, celle-là. Tellement j'étais impressionnée, parce que tout était facile avec elle. Et tout ça, et moi, je disais, je savais pas comment bouger. Tout. C'était vraiment un vrai sanglant. J'étais certainement un petit peu envieuse de sa facilité. Et puis voilà, c'était... Bon, on s'est bien amusé. Et puis voilà, elle me manque, comme elle manque à tous ceux qui l'ont connue et tous ceux qui l'ont admirée. Et voilà, donc on va essayer de lire ces textes qui vont un peu parler d'elle. Je commence ? Ah ben, allez-y. D'accord. Alors, ça va le micro là ? Très bien, très bien. Ça va ? Là, comme ça ? Bon. Parfait. Alors, Bernadette Lafont, vue par François Truffaut. C'est toujours avec émotion que je retrouve Bernadette Lafont. Son nom, son visage, sa silhouette fixée dans les magazines, ou son corps ondulant dans un film. Car bien que je sois son aînée, nous avons débuté le même jour de l'été 57. Elle devant la caméra et moi derrière. Le titre du film, inscrit sur le clap, était « Les Mistons ». Le cinéma tenait Bernadette Lafont et ne la lâcherait plus. 20 fois, 30 fois, je l'ai revue sur l'écran. Artiste fantaisiste et rigoureuse en même temps. Jamais démagogique, droite chandelle, jamais vacillante, toujours vaillante, jamais éteinte. Quand je pense à Bernadette Lafont, actrice française, je vois un symbole en mouvement, le symbole de la vitalité, donc de la vie. François Truffaut, Vagabondage, Studio 43, 1984. Bien qu'elle soit très féminine, très jolie et très agréable à regarder, si je devais comparer Bernadette Lafont à quelqu'un d'autre en faisant du cinéma, je ne la comparerais sûrement pas à une autre femme, mais je la comparerais à des hommes. Elle me ferait plutôt penser à Michel Simon, par exemple. Et je pense que la chose la plus importante qu'elle pourrait faire dans sa carrière de comédienne, si elle avait la chance de rencontrer sur la route quelque chose comme ça, ça serait une espèce de version féminine de Boudu sauvé des eaux. François Truffaut, émission cinéma de Philippe Laïc et Frédéric Rossif, le 18 mai 1967. Moi, j'ai rencontré Bernadette, le deuxième film dans lequel j'ai participé, qui s'appelait « L'eau à la bouche », elle jouait avec Michel Galabru, la bonne et lui le serviteur de moi-même et Françoise Brion dans notre château dans le sud-ouest de la France. Voilà, elle était absolument épatante. Moi, j'étais époustouflée par sa liberté, par sa façon, par ses mimes, par ses... Jamais vu une chose pareille, ni avant. J'étais déjà un petit peu, enfin, cinéphile, donc j'avais quand même vu, voilà, tout le monde, Arletty, ça, là, là. Mais alors, Bernadette, elle était d'une originalité, d'une façon, et puis d'une drôlerie. Je ne sais pas à combien de degrés, c'est pas premier, de, non, deuxième degré, très intelligente et tout. Et on est toujours restés amis, on a vécu par la suite quelquefois dans le même village avec ses deux filles, son mari, Durka, après, enfin, nos chemins, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas Stéphane, ne se sont pas toujours croisés. Mais avec elle, plus qu'avec d'autres amis comédiennes. Voilà, donc, et puis, donc je lis là, lettre de François Truffaut à Bernadette Lafont, son date, circa février 71. Chère Bettina, je ne vous ai pas obtenu au téléphone, j'ai vu pour vous les stances, entre guillemets, à Sophie. Je n'ai pas beaucoup aimé le film, surtout en ce qui concerne le metteur en scène. Il filme de loin ce qui devrait être rapproché, de profil, ce qui devrait être de face, et il met de la musique quand il faut du silence, etc. Le scénario est intéressant, avec 4 ou 5 scènes vraiment fortes, bien tournées. C'était un vrai succès. Par exemple, ça aurait été un vrai succès, oui. Par exemple, filmé par Chabrol.
J'ai beaucoup aimé Michel Chaussoir parce qu'il joue honnêtement, sans essayer de rendre son personnage prestigieux, et je vous ai trouvé formidable. Si je ne le pensais pas, je ne vous dirais pas, et je ferai croire que je n'ai pas vu le film. Vous jouez audacieusement, courageusement, sans psychologie, avec un grand instinct poétique. Je regrettais que Renoir ne soit pas dans la salle, car il vous adorerait. À bientôt, je vous embrasse, François Truffaut.